Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, famille Parole Vivante. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes à notre cinquième jour du jeûne et prière, l'alliance de 10 jours de jeûne et prière. Et j'ai béni le Seigneur qui me permet d'être là ce soir. Je remercie notre pasteur qui nous donne l'opportunité de pouvoir intervenir et de prier avec le peuple de Dieu du monde et les frères et sœurs de Parole Vivante. Vraiment, que Dieu soit loué. Merci, Seigneur. Je voudrais présenter ces moments et dire à Dieu, vraiment, nous avons besoin de lui parce que nous voulons et nous savons que ces moments sont des moments bénis. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ton toucher. Merci surtout parce que le Saint-Esprit est là et que toutes les personnes connectées, toutes les personnes qui ont l'opportunité de prier avec nous ce soir, verront des miracles se produire dans leur vie. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais commencer notre réunion de ce soir dans le livre de Juges au chapitre 6, le verset 1er au verset 6. J'ai la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissèrent en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le verset 6 nous dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Frères et sœurs, la Bible nous apprend qu'à un moment, Israël a connu des temps de sécheresse, des temps difficiles à cause de Madian. Madian avait pour habitude de monter en Israël pour pouvoir ravager le pays, voler les semences, tuer les brebis et laisser le pays dans le malheur. Et ce qui est formidable aussi, c'est que la Bible nous enseigne, la Bible nous dit que Madian ne venait pas seul pendant la récolte. Il venait avec les fils d'Amalek et les enfants de l'Orient pour totalement piller Israël et mettre le pays sans dessus dessous. Et pendant que le pays était dans le malheur, les enfants d'Israël commençaient à crier. Ils cherchaient le Seigneur parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient totalement dépassés par la situation. Ils criaient tout le temps à Dieu parce qu'ils ne voyaient plus de solution. Ils étaient en train de se poser la question, pourquoi Dieu nous a oubliés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi des choses comme ça nous arrivent? Pourquoi Madian nous pousse à nous réfugier? Au niveau du verset 2 nous dit, le peuple d'Israël se cachait dans les ravins. Le peuple d'Israël se cachait dans les cavernes. Il se cachait pour semer. Il se cachait pour manger. Il se cachait pour récolter. Il se cachait pour travailler. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsque les Madianites venaient, ils ravageaient le pays. Les gens ne savaient plus quoi faire. Ils étaient dépassés par la situation. Ils ne comprenaient plus. Ils se posaient la question, Seigneur, pourquoi tant de malheur? Seigneur, pourquoi nous vivons dans cet état? Seigneur, pourquoi les choses ne s'améliorent pas? Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous as oubliés? Seigneur, et pourtant nous sommes tes enfants. C'est toi qui nous as enlevés de l'Égypte. C'est toi qui nous as amenés ici. Nous nous rappelons qu'un jour, tu nous as fait traverser la mer Rouge. Tu nous as même fait traverser le Jourdain. Seigneur, pourquoi tant de malheurs? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? La Bible dit, le peuple criait à l'Éternel. Il dira à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi tant de malheurs? Seigneur, pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi, Seigneur, nous sommes obligés de nous cacher? Pourquoi un peuple étranger vient nous dominer sur notre terre? Pourquoi tu nous as laissés, Seigneur? Pourquoi tu permets que les dieux étrangers viennent causer autant de malheur dans nos familles? Pourquoi tu permets que les femmes soient violées? Pourquoi tu permets que nos enfants soient arrachés? Pourquoi tu laisses de telles choses? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, Seigneur, Seigneur! Ils crièrent à Dieu, ils pleurèrent, ils se lamentaient, ils ne savaient plus quoi faire. Au niveau du verset 12, la Bible nous donne une réponse. Comment le Seigneur a intervenu, comment le Seigneur a entendu le cri. Le verset 12 dit ceci, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et dit à Gédéon, vaillant héros. Waouh! Vaillant héros. Mais où était Gédéon avant que l'Éternel vienne dire à Gédéon, vaillant héros? La Bible nous dit, je vais lire pour vous, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon était dans une grotte. Gédéon était dans une caverne lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à lui. Gédéon se cachait comme tous les enfants d'Israël.
Gédéon a été dépassé par la situation. Il est allé se cacher parce qu'il avait besoin de nourrir sa famille. Il est allé se cacher parce qu'il ne voulait pas que les Madianites viennent l'assaillir. Parce qu'il ne voulait pas que les Madianites viennent lui arracher le peu de semences qu'il avait pour sa famille. Il était caché. Et dans sa cachette, Dieu entre. Dieu entre et Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Frères et sœurs, c'est drôle. Gédéon est caché. Gédéon est dépassé. Et Dieu rentre dans sa cachette pour dire à cet homme qui est en train de se cacher, vaillant héros. Dieu pouvait dire à Gédéon, mais qu'est-ce que tu fais là? Dieu pouvait dire à Gédéon, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne pries pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne m'invoques pas? Pourquoi tu ne me cherches pas? Pourquoi tu te caches? Non, Dieu vient dire à Gédéon, vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu ne voyait pas Gédéon comme il se voit. Dieu voyait Gédéon comme lui le voit. Dieu voyait à ses yeux que Gédéon était vaillant. C'est lui qui ne voyait pas qu'il était vaillant parce qu'il était caché. Dieu ne voyait pas les choses ainsi. Et Dieu voulait que Gédéon voie les choses comme lui le voit. Dieu voulait que Gédéon comprenne que quand Dieu voit son enfant, il le voit comme un vaillant héros. Il ne le voit pas comme n'importe qui. Il ne le voit pas comme quelqu'un qui se plaint. Il le voit comme quelqu'un qui peut dominer. Quelqu'un capable de provoquer un changement. Quelqu'un capable de faire en sorte que les choses changent. Voilà pourquoi lorsque Dieu se révèle à lui, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Oui, frères et sœurs. Dieu ne nous voit pas comme on se voit. Dieu ne nous voit pas comme les gens vous voient. Dieu nous voit comme lui le voit. Et lorsque Dieu vient dire à Gédéon, vaillant héros, c'est parce que Dieu veut que Gédéon confesse et que Gédéon croit que les choses doivent se faire ainsi. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui est dans sa main et Dieu te voit autrement. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 22, le verset 1 au verset 2, je vais lire pour vous. Voilà ce qui est écrit. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et ils devinrent leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Voilà encore une situation où les gens sont mécontents, les gens sont dépassés. Et la Bible nous raconte que près de 400 hommes se sont tournés parce qu'ils avaient des problèmes. Ils cherchaient où aller et quelqu'un a eu une idée géniale en disant « Allons dans la caverne où se trouve David. » Ils sont allés trouver David dans la caverne d'Adullam, là où il était caché. Vous savez, lorsque les gens sont dépassés par les situations, ils ne vont pas dans les cavernes, ils vont un peu plus loin. Ils vont un peu plus loin, ils cherchent des endroits où on peut les aider. Ils cherchent des endroits où on peut trouver une solution. Ils cherchent des endroits où quelqu'un peut venir à leur aide. Mais tout le monde savait à cette période que David lui aussi se cachait. David fuyait Saül. David avait peur. Voilà pourquoi il s'est caché dans la caverne d'Adullam. Au lieu d'aller chercher des solutions ailleurs, tous vont dans la cachette où se trouve David. C'est comme si il n'avait pas peur que là où David se trouve, le roi vienne aussi les trouver là et peut-être amener encore des situations beaucoup plus grandes dans les situations compliquées. Non, ils allaient vers David. Je me suis posé la question, Seigneur, mais pourquoi ces hommes sont allés vers David? Pourquoi au lieu d'aller plus loin, pourquoi au lieu de s'échapper, pourquoi au lieu de chercher des solutions vers des personnes capables de venir à leur aide, ils vont vers un fuyard, ils vont trouver quelqu'un dans sa grotte, ils vont chercher des solutions vers quelqu'un qui est en train de fuir. Parce qu'ils avaient compris que cet homme était différent des autres hommes. Et il avait quelque chose que d'autres n'avaient pas. Il avait l'onction. C'est l'onction de David qui a fait en sorte que les gens suivent David dans sa grotte. C'est l'onction que David avait sur lui qui a fait en sorte que ces personnes courent et aillent vers lui. Ces personnes qui avaient des dettes, ces personnes qui étaient mécontents, ces personnes qui ne savaient plus quoi faire. La Bible dit au verset, on dit des gens en détresse, ce sont eux qui sont allés vers David. Dans le livre de 1 Roi, au chapitre 1, le verset 8, la Bible les appelle plus tard les vaillants hommes de David. Waouh, ils avaient changé. Lorsqu'ils sont entrés dans la caverne d'Adullam, c'était des personnes mécontentes, c'était des personnes dans la détresse, des personnes sans solution, des personnes qui fouillaient. Mais lorsqu'ils sont sortis de là, la Bible les appelle des vaillants hommes de David. Lorsque vous lisez la suite de ces personnes, la Bible nous rapporte que lorsque David a demandé le matériel pour construire le temple, ces hommes qui avaient des dettes, ce sont eux qui ont donné de l'or. Ces hommes qui n'avaient pas de moyens se sont retrouvés avec beaucoup de moyens. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en contact d'une personne qui avait une onction particulière. Frères et sœurs, nous sommes des vaillants. Dieu ne nous voit pas comme le temps nous voit. Dieu ne te voit pas comme les gens te voient. Dieu ne te voit pas comme toi-même tu te vois. Dieu te voit comme une personne vaillante, une personne capable de changer les choses. Dieu a en lui l'onction qui est capable de faire en sorte que dans ta vie, les circonstances changent. Nous sommes dans un programme de 10 jours d'alliance de jeûne. Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons parce que les choses ne marchent pas. Avec le Covid, les gens se retrouvent dans des situations
difficile. Beaucoup sont en train de perdre leur emploi. Certains se posent même la question, Seigneur, mais ça va finir quand? Seigneur, pourquoi des choses comme ça durent? Seigneur, pourquoi tu nous laisses ainsi? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que dans la liste des gens qu'on va licencier, mon nom y est? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que je n'ai pas suffisamment d'argent avec la crise pour amener mon enfant à l'hôpital? Seigneur, est-ce que tu aimes me voir dans cette situation? Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Non, Dieu ne t'a pas oublié. Mais c'est parce que tu te vois avec tes yeux. C'est parce que tu crois que tu es comme tout le monde. Or, tu n'es pas comme tout le monde. Dieu sait que tu es un vaillant héros. Dieu sait que l'onction capable de changer les choses, tu l'as. Dieu sait que tu n'es pas n'importe qui. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut que tu prennes conscience que lorsque tu cries, le ciel bouge. Lorsque tu cries, les démons qui s'opposent à toi bougent. Lorsque tu cries, le monde bouge. Lorsque tu cries, les choses ont peur. Lorsque tu cries, la terre tremble. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, tu es un vaillant héros. Dieu veut que tu vois que tu n'es pas n'importe qui. Dieu veut que tu prennes conscience que lorsque tu vas élever la voix, les choses vont changer. Lorsque tu vas élever la voix, les choses impossibles vont devenir possibles. Lorsque tu vas élever la voix, les personnes qui sont moquées de toi vont se rendre compte qu'il y a un changement qui vient de s'opérer dans ta vie. Parce que tu es aux yeux de Dieu, tu es un vaillant héros. Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime, ma soeur. Ne regarde pas ce qui se passe en ce moment. Ne baisse pas les regards parce que oh, tu vas commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Lève les yeux vers le Seigneur. Dieu a suffisamment d'onction pour faire de toi une personne extraordinaire. Dieu sait que tu as besoin de son aide. Dieu sait que tu cries. Dieu sait. Mais ce qu'il te demande ce soir, c'est que tu lèves les yeux, que tu prennes conscience que tu es un vaillant heureux, que tu prennes conscience que tu n'es pas dans la bande de ceux qui se lamentent, que tu prennes conscience que même si tu as été en détresse, même si tu étais dans une situation de précaire, même si tu étais dans une situation de détresse, il est capable de changer les choses. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience que tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi qu'avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Le fait d'avoir accepté Jésus change les choses. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu quittes la sphère humaine pour la sphère du surnaturel. Lorsque les choses ne changent pas, lorsque les choses n'évoluent pas, lorsque les choses ne bougent pas, lorsque tu te rends compte que les choses n'arrivent pas à avancer, n'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Et ce soir, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas prendre conscience de ton état parce que tu es un vaillant héros. Ce soir, Dieu rentre dans ta maison. Ce soir, Dieu rentre dans ta chambre. Ce soir, Dieu rentre dans ton salon. Ce soir, Dieu rentre là où tu es pour te dire vaillant héros. Vaillant héros, et il va entendre ta voix. La Bible dit, le peuple crièrent à l'Éternel. Lorsqu'ils ont crié, l'ange de l'Éternel est descendu pour dire à quelqu'un, tu es un vaillant héros. Dieu a entendu ta voix depuis longtemps, et ce soir il entre chez toi pour te dire, vaillant héros, parce que c'est ce soir que le miracle va s'opérer dans ta vie. C'est ce soir que les changements vont être provoqués. C'est ce soir que les circonstances vont bouger. C'est ce soir que la personne malade va se relever. C'est ce soir que s'il y a une situation qui n'arrive pas à changer, elle va changer. Pourquoi? Parce que tu es un vaillant héros. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Levons-nous, nous allons prier. Nous allons crier à Dieu parce que Dieu entend les prières. Nous allons crier à Dieu pour dire, Seigneur, merci. Merci pour l'opportunité que tu me donnes ce soir de pouvoir prier. Merci pour l'opportunité que tu me donnes ce soir de pouvoir élever la voix. Parce que je sais que ce soir, les choses vont changer. Je sais qu'en élevant ma voix, le miracle va s'accomplir. Je sais qu'en élevant ma voix, les choses que je ne voyais pas, oh, qui n'arrivaient pas à bouger, vont bouger. Peut-être que ça fait des années que tu as prié, mais ce soir, quelque chose de spécial va se passer. Mais voilà pourquoi tu peux commencer à rire là où tu es. Commence à sourire. Commence à sourire. Commence à bénir le Seigneur. Commence à sauter là où tu es. Commence à danser. Commence à te réjouir. Pourquoi? Parce que c'est ce soir que le miracle va s'accomplir. Ce n'est pas demain, c'est ce soir. Ce soir, Dieu entre dans ta maison et te dit, vaillant héros, j'ai entendu le cri de ton âme, j'ai entendu le cri de ton esprit et je suis descendu pour faire une œuvre qu'aucune autre personne ne peut faire dans ta vie. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que tu es debout là où tu es? Alors nous allons d'abord commencer à prier pour condamner les démons qui s'opposent, qui nous imposent, qui imposent la servitude à ton âme. S'il y a des choses qui n'arrivent pas à bouger ce soir, alors tu vas parler à cet esprit qui s'est levé pour dire, toi tu ne peux pas évoluer, toi tu dois tourner en rond, toi dans ta vie c'est comme ça que les choses vont se passer. Je voudrais que tu dises avec moi, cet esprit part maintenant au nom de Jésus, lève la voix là où tu es, parle à cet esprit qui a servi ton âme, parle à cet esprit qui a décidé que tu ne vas pas aller loin, parle à ce démon qui a pris l'engagement de te nuire, de te casser, de te paralyser, de provoquer un ralentissement, parle à cet esprit, parle, 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 parle.
Bakana. Oh Seigneur Jésus, merci. Seigneur, je m'adresse à tous les démons, à tous les démons qui ont commencé à s'agiter parce qu'ils ne veulent pas bouger, parce qu'ils ne veulent pas laisser mon frère et ma soeur. Ils veulent les laisser dans la servitude. Là où ils sont en ce moment, Seigneur, j'ordonne à cet esprit de lâcher prise. J'ordonne qu'ils partent. J'ordonne qu'ils disparaissent. Au nom de Jésus, quelle que soit l'opposition maintenant, je viens casser le lien qui te lie à mon frère, le lien qui te lie à ma soeur. Et j'ordonne que tu lâches prise. J'ordonne que tu partes maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour parler contre les décrets qu'on a libérés sur ta vie, les décrets qu'on a posés sur ta vie. Il y a des gens qui ont reçu des décrets, frères et sœurs. Il y a des décrets divins qui viennent du monde des ténèbres, du monde des esprits. Il y a des décrets qui sont venus du ciel pour dire telle personne, voilà ce qui va se poser dans sa vie. Voilà pourquoi tu tournes en rond depuis longtemps, parce qu'il y a un décret dans ta vie. Tu vas annuler ce décret ce soir. Tu vas parler à ce décret et te dire à partir d'aujourd'hui, les choses changent. À partir d'aujourd'hui, tout décret qui ne vient pas de Dieu meurt dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, tout décret qu'on a libéré sur ma maison, qu'on a libéré sur mes enfants, qu'on a libéré sur mes affaires, qu'on a libéré sur mon corps, ce décret je l'annule maintenant. Là où tu es, élève la voix, élève la voix, élève la voix, parle, parle, parle. Oraba kerabaski la bakana, oraba sanda bakana, erebere bere bere bere, oraba sanda bakana, iribikanda bara hora bakana, erabarakan. Parle, parle mon frère, parle, prie, prie, prie. Alléluia, annule, annule, annule. Irabaska la bakana, oraba kerabaska. On va lever la voix. Seigneur, je m'adresse à tous les décrets qui ont été prononcés du monde des ténèbres sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur. Je viens annuler le pouvoir de ce décret au nom de Jésus. Tu vois le décret qui a été posé sur un enfant. J'annule ce décret au nom de Jésus. Il y a des décrets qui ont été libérés sur les enfants qui sont encore dans le sein maternel. Je viens prendre autorité sur ce décret et je les brise maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant nous allons parler, nous allons nous adresser aux différents hommes forts de la maison de nos parents. L'homme fort de la maison de ton père, c'est lui qui fait en sorte que les liens dans lesquels tu te trouves ont du mal à partir. C'est lui qui fait que ces liens te poursuivent, que ces liens ne partent pas. Tu vas parler à l'homme fort de la maison de ton père et tu vas dire ce soir, au nom de Jésus, j'annule le pouvoir que tu as sur moi. Si le sang de ma famille a été contaminé, s'il y a une alliance avec moi, j'annule cette alliance parce que toi, l'homme fort de ma maison, tu n'as aucune autorité sur moi. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. Le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a purifié et je suis libre maintenant. Prie, 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 prie. Horabakara bara iskina bakana. Alléluia, alléluia. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Élève la voix, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Élève la voix, parle, 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 parle. Parle au nom de Jésus. Parle, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Il faut que ça s'arrête ce soir. Il faut que l'autorité qu'il a dans ta vie s'arrête ce soir. Il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait un basculement ce soir. Au nom de Jésus. Parle, 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 parle. Seigneur, je m'adresse à l'homme fort de la maison de mon frère, à l'homme fort de la maison de ma soeur, à l'homme fort de ma maison. Seigneur, tu vois les alliances qu'il a avec moi, les alliances qu'il a avec tout ce qui m'entoure. Je viens annuler son autorité dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, que l'autorité de l'homme fort, la maison de mon père, soit cassée et rompue au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour condamner. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Nous allons condamner les différentes langues, toutes les paroles qui sont sorties contre ta vie. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que dans la vie, vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous et lorsque la personne s'en va, elle parle mal de vous. Elle se dit, pourquoi c'est lui qui achète une nouvelle voiture? Pourquoi c'est lui qui s'est marié? Pourquoi c'est chez lui que les enfants réussissent? J'ai entendu une fois quelqu'un dire à un de mes parents, vous savez, si vos enfants réussissent, c'est parce que vos enfants ont volé l'intelligence de nos enfants. Frère, regardez tel méchanceté. Il se plaint que dans la famille de tel, ce sont ses enfants qui ont eu le bac, mais ses enfants n'arrivent pas à avoir le bac. Ça veut dire que cet homme qui est un pasteur, ses enfants ont volé l'intelligence des autres frères, c'est de la méchanceté. Et cette parole est partie dans toute la famille. Les gens ont continué à dire que non, voilà, c'est la famille de tel. Si les enfants réussissent, si les enfants se marient, c'est parce qu'ils ont volé l'intelligence des autres frères, c'est la méchanceté. De telle langue, il faut les condamner. De telle langue, il faut les arrêter. Parce que c'est langue du vulgaire des esprits méchants qui veut s'agripper à ça pour apporter le malheur dans ta vie. Nous allons nous élever pour casser de telles choses. Nous allons nous élever pour arrêter de telles choses. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant guerrier. Ne te néglige pas ce soir. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Alléluia. Oh merci Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Je ne t'entends pas. Élève ta voix, merci Seigneur. Élève ta voix. Alléluia. Oh rabakera baskina makana. Asini babakara bakana. Oh robo rabakera ira baraskina bakana barabara sarabakana. Oh rabakera bakana.
Éternel des armées, je m'adresse à toutes les langues qui se sont levées contre mon frère, contre sa famille, contre ma soeur, contre ce qu'elle fait. Seigneur, tu vois les langues qui veulent tuer ma soeur, tu veux tuer mon frère, des langues qui s'opposent à son évolution, des langues, Seigneur, qui ont décidé que le frère ne va pas évoluer. Je viens condamner toutes ces langues qui s'élèvent, toutes ces langues de malédiction, toutes ces langues qui prononcent des paroles incantatoires. Seigneur, tu vois la sorcellerie qui se retrouve pour libérer des paroles méchantes, pour détruire un frère, pour détruire une soeur, pour nuire à une famille. Je viens condamner ces paroles, Seigneur. Ce soir, ces paroles contre paroles, j'annule le pouvoir de ces paroles au nom de Jésus. Je libère la vie de celui qui est bloqué, Seigneur. Tu vois le frère qui est assiégé par une maladie parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé sur son corps. Je viens annuler le pouvoir de cette parole au nom de Jésus, Seigneur. Tu vois la soeur qui n'arrive pas à évoluer dans sa vie. Elle tourne en rond parce qu'il y a une parole qui a été libérée contre sa vie. Je viens annuler le pouvoir de cette parole au nom de Jésus. J'entre dans la maison de l'homme fort. La parole que tu as prononcée, je te l'arrache et je casse ton autorité au nom de Jésus. Je la brise ce soir au nom de Jésus. Seigneur, c'est parole contre parole. J'annule le pouvoir de ces paroles au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci. Nous allons maintenant prier concernant les sujets que nous avons ce soir, que le nombre d'ouvriers augmente. Nous allons prier parce que vous savez, frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. On a besoin de voir le nombre d'ouvriers augmenter. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui parlent de Jésus dans les assemblées paroles vivantes, dans le Gabon, dans le monde entier. Nous voulons que Dieu suscite des ouvriers. Nous voulons que Dieu suscite des ouvriers là où tu es pris. Prie pour que mon frère s'engage. Prie pour que ma soeur s'engage. Il y a des gens, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais la Bible nous dit que l'occasion te soit favorable ou non, parle de Jésus, prêche la parole. Nous voulons que le nombre d'ouvriers augmente. Élevons la voix, Seigneur, élevons la voix. Éternel des armées, nous te présentons ce pays et les autres pays. Tu vois, Père éternel, comment le monde des ténèbres prend du terrain. Le monde des ténèbres prend du terrain. Il y a des alliances qui se créent par-ci, par-là pour nuire à ta parole. Le monde des ténèbres évolue. Ils grandissent, Seigneur. Nous voyons ça dans les médias, comment le monde des ténèbres veut évoluer. Mais nous voulons ce soir, Seigneur, que ta moisson trouve beaucoup d'ouvriers. Au nom de Jésus, nous voulons que tu suscites des hommes, Seigneur, dans notre pays, dans notre église, parole vivante, dans les différents ministères. Nous voulons que tu suscites des mondes, Seigneur, qu'il y ait une augmentation de moissonneurs, qu'il y ait un grand nombre de moissonneurs. Seigneur, étends ta main. Nous crions à toi ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons avoir comme deuxième sujet, nous allons prier aussi pour que Dieu mette des talents dans la vie de ses serviteurs. Il y a des gens qui ont des talents mais qui ne savent pas. Il y en a d'autres qui ne savent pas comment les exploiter. Nous allons prier ce soir que ces talents se manifestent. Le monde veut voir. Le monde veut voir. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir. Tu as quelque chose. Ne te cache plus, tu as quelque chose. Parfois, tu as besoin qu'on te pousse. Je suis venu te pousser ce soir. Tu as besoin qu'on te donne une parole. Je t'ai dit, mon frère, pars. La Bible dit, ouvre ce mal à bouche, je la remplirai. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu va travailler. Tu as un talent. Prions maintenant pour les talents. Tu sais ce que Dieu a mis en toi. Prie pour que ça sorte. Tu as vu dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur. Prie pour que les talents se manifestent. L'église a besoin de talents. L'œuvre de Dieu a besoin des gens pleins de talents. Nous te présentons, Seigneur, ton peuple. Tu vois, tes serviteurs et tes servantes. Tu vois les talents qui sont cachés. Nous voulons crier ce soir, Seigneur, qu'à partir de ce soir, les choses se manifestent. Que tout ce qui était caché sorte au nom de Jésus. Tu as dit à Gédéon, vaillant héros, Seigneur. Gédéon ne savait pas qu'il avait un talent. Gédéon ne savait même pas qu'il était un héros. Il ne savait même pas qu'il était vaillant. Mais tu as dit à Gédéon, tu es vaillant. Tu as quelque chose. Et Gédéon a libéré son peuple. Gédéon a fait sortir son peuple de l'esclavage. Gédéon a cassé la tête de Madian. Gédéon a neutralisé le pouvoir d'Amalek. Gédéon a chassé les fils d'Orient. Dieu est capable de chasser ces choses parce qu'en toi, il y a ce talent. Tu es une vaillante personne. Nous allons maintenant prier pour que la gloire de Dieu se manifeste pendant nos rassemblements dans la maison. Là où tu es, que ce soit là où tu es à la maison, ou je ne sais pas où tu es, mais que ce soit à la maison ou à l'église, là où tu peux te trouver en ce moment, nous allons prier pour qu'à chaque moment qu'il y aura un rassemblement, que la gloire de Dieu se manifeste. Nous ne voulons plus parler pour parler. Nous voulons maintenant que lorsque les gens se retrouvent, si on a besoin d'une onction de guérison, que l'onction de guérison se présente, se manifeste. Nous voulons que Dieu manifeste sa gloire à tous nos cultes, que Dieu manifeste sa gloire, même les réunions de famille, les cultes de famille, que la gloire de Dieu se manifeste pleinement. Le monde a besoin de voir. Le monde a besoin de voir. Prions pour que la gloire de Dieu se manifeste à chaque rassemblement. Nous voulons, Seigneur, que ton peuple voit ta gloire, que les choses changent. Paul a dit, et ma parole et mon discours ne se basent pas sur des paroles persuasives, mais sur une démonstration, Seigneur, une démonstration de force et de puissance. Nous voulons avoir la
la démonstration, Seigneur. Nous ne voulons plus être des simples orateurs, des simples prédicateurs. Nous voulons être des personnes, lorsqu'elles entrent quelque part, les gens peuvent voir la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que, Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui a les dons. C'est lui qui a le pouvoir de guérir. C'est lui qui a le pouvoir de restaurer. Donc, ça veut dire que lorsqu'on rentre quelque part, cette capacité est enfouie en nous. Nous voulons maintenant qu'elle se manifeste, Seigneur. Ton Église en a besoin. Ce pays en a besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour que l'Église grandisse en nombre et en qualité. On a besoin de voir une Église puissante en nombre, une Église puissante en qualité. Là où tu es pris pour ton Église, là où tu es pris pour ton Assemblée, là où tu es pris, on a besoin que l'Église grandisse. Nous avons besoin d'impacter, d'influencer. Le nombre fait la force. Le nombre influence. Que Dieu entende ton cri ce soir. Que Dieu entende ta voix ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te présentons nos assemblées, nos annexes dans le monde et dans le Gabon, Seigneur. Nous voulons que l'Église grandisse en nombre, que l'Église grandisse en qualité, Seigneur. Nous voulons influencer. C'est l'heure d'impacter, Seigneur. C'est l'heure d'impacter. Nous voulons, Seigneur, que tu agisses pleinement. La Bible nous dit que chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait ceux qui étaient sauvés. Nous voulons que cela, Seigneur, se manifeste. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit est en nous, Seigneur. Aide-nous à atteindre, Seigneur, cette façon de fonctionner. Que chaque jour, les gens soient sauvés. Que chaque jour, les gens ont une forte conviction. Que chaque jour, les gens viennent. Nous voulons voir tes églises remplies d'hommes et de femmes, Seigneur, qui viennent au salut. Nous voulons voir ton église, Seigneur, où les gens prennent l'engagement devant tout le monde, sans crainte, sans peur, de venir à toi, Seigneur, et tendre ta main. Nous voulons aussi, Seigneur, avoir des cadres, des hommes de qualité, des influenceurs, des personnes capables de provoquer un changement dans leur environnement. Seigneur, et tends ta main. Nous avons besoin, Seigneur, que tu touches les cœurs de ces personnes. Seigneur, c'est l'heure du réveil. C'est l'heure où ton peuple, Seigneur, doit grandir sur le plan qualité. Seigneur, et tends ta main. Seigneur, agis pleinement. Nous voulons que tu donnes la force à ceux qui font des études pour qu'ils terminent leurs études, parce qu'on a besoin d'ouvriers qualifiés. On a besoin des personnes capables d'intervenir dans des sphères extraordinaires. Seigneur, interviens puissamment, Père. Pour Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant prier concernant le temple de la foi. Vous savez, nous avons reçu des engagements un peu partout dans nos assemblées. Si tu as reçu un engagement et si tu t'es prononcé par rapport à ça, mon frère, ma soeur, honore ton engagement. Honore ton engagement. Nous voulons qu'au sein de paroles vivantes, nous soyons des personnes de parole. Des personnes, lorsqu'ils libèrent une parole, lorsqu'ils prennent un engagement, lorsqu'ils scellent une alliance avec Dieu, ils tiennent ces engagements. Nous allons prier pour que toutes les personnes qui ont pris un engagement par rapport à la construction du temple de la foi honorent leurs engagements, honorent leurs promesses, élevons la voix, élevons la voix. Seigneur, cette œuvre que tu nous as confiée, c'est ton œuvre à toi, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Oh, c'est l'œuvre de Dieu. Seigneur, le temple de la foi est une œuvre. C'est une œuvre pour voir la main de Dieu dans ce pays. Seigneur, tu vois les gens qui se sont engagés. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup d'entre eux, Seigneur, sont arrêtés à cause du Covid. Le Covid a désaxé les choses. Le Covid a provoqué un changement. Nous sommes contraints de tout revoir par rapport aux finances à cause du Covid. Mais nous savons que tu es le Dieu de toutes les impossibilités. Tu es le Dieu qui fait de toutes les possibilités. Tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, de faire en sorte que lorsque les choses sont détruites, que tu remettre de l'ordre dans cela. Tu es le Dieu, Seigneur, qui donne des solutions quand les gens n'en ont pas. Tu es le Dieu qui trouve qui donne la force lorsque les gens ont perdu la force. Tu es le Dieu qui donne l'argent lorsqu'il n'y a pas d'argent. Seigneur, nous voulons que tu aies ton peuple et nous voulons que tu aies tes enfants. Seigneur, étends ta main. Alléluia. Alléluia. Ah, merci, Seigneur. Nous allons maintenant prier pour la prospérité des membres de l'Église. Ah, frère, c'est important. Nous voulons avoir des hommes prospères, stables. Des hommes prospères sur tous les domaines. Vous savez, Jean a dit à son ancien Gaius, je souhaite que tu prospères de tous égards, comme prospère le tel de ton âme. Il ne voulait pas seulement que l'âme prospère, c'est déjà important que l'âme prospère, mais il a dit que tu prospères à tous égards. Si tu fais une affaire, ton affaire doit prospérer. Si tu te maries, ton mariage doit être prospère. Si tu fais quelque chose, prospère. Si tu travailles au niveau professionnel, on doit avoir une évolution par rapport à ça. Nous allons prier pour la stabilité et la prospérité des enfants de Dieu. Seigneur, nous te présentons ton peuple. Nous voulons impacter les gens. Nous voulons impacter ton peuple. Nous voulons impacter le pays. Nous voulons un changement radical. Nous voulons, Père éternel, que les choses bougent. Mais pour que les choses bougent, les gens doivent voir. Vous, Seigneur, nous savons que la vue influence. Voilà pourquoi nous voulons la stabilité à tous les niveaux. La stabilité dans les finances, la stabilité en affaires, la stabilité dans beaucoup de domaines, Seigneur. Nous voulons que les gens voient que lorsque tes enfants parlent, Dieu se manifeste. Que les gens se rendent compte qu'il y a une différence entre eux et nous. Que les gens réalisent que lorsque tu fais confiance en Dieu, la stabilité est réelle, la stabilité est palpable, la stabilité est touchable. Ah, Seigneur, nous voulons voir de telles choses au nom de Jésus.
au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons aussi prier pour que le peuple de Dieu se comporte comme des fourmis. Vous savez, les fourmis, quand ils travaillent ensemble, ils sont redoutables. Nous ne voulons pas être dispersés. Nous voulons que lorsque l'homme de Dieu donne une vision, que nous soyons tous derrière la vision en train de travailler main dans la main. Nous voulons travailler comme des fourmis parce que des fourmis font des grandes choses. Les fourmis sont capables de soulever des choses extraordinaires. Ils les amènent d'un coin A à un point B. Pourquoi? Parce qu'ils savent travailler ensemble. Nous voulons que Dieu mette au niveau de parole vivante cet esprit. Cet esprit, les gens savent travailler ensemble. Cet esprit de communion. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à devenir comme des fourmis, des personnes d'impact, des personnes qui savent travailler ensemble. Seigneur, nous voulons apprendre à associer nos talents. Nous voulons apprendre à être ensemble. Nous voulons apprendre, Seigneur, à utiliser le talent de l'autre. L'Église en a besoin. L'Église en a besoin. Seigneur, étends ta main. Nous, tu nous as mis ensemble, Seigneur, pour voir la même vision, pour voir la même chose, pour avoir les mêmes pensées. Tu nous as réunis dans un lieu, Seigneur, parce que tu sais que parmi nous, il y a des talents. Et chaque talent, Seigneur, lorsqu'il est bien exploité, c'est une bombe pour l'Église. C'est une bombe pour ton œuvre. Et nous voulons, Seigneur, que ces choses évoluent parce qu'il faut que les gens voient la stabilité. Oh Seigneur, étends ta main. Aide-nous à travailler comme des fourmis. Aide-nous à travailler comme des fourmis. Nous allons maintenant prier pour que l'œuvre de parole vivante s'étende. La Bible nous dit, allez par tout le monde, prêchant la bonne nouvelle. Nous n'allons pas rester au Gabon seulement. Nous n'allons pas rester à l'intérieur seulement. Nous voulons prier pour que l'œuvre s'étende. De Sao Tomé, en Belgique, au Congo, à Kinshasa, à New York, en France, dans le monde entier, que Dieu suscite. Que Dieu suscite des ouvriers qui vont représenter de manière valable, de manière efficace, de manière extraordinaire l'œuvre de parole vivante. Prions, prions. Peut-être que c'est toi, prie déjà. Peut-être que c'est toi que Dieu va choisir. C'est toi. Si tu ressens ça dans ton cœur, alors tu vas t'élever et dire, Seigneur, c'est moi que tu as choisi pour l'extension. C'est moi que tu as choisi pour voir ton œuvre avancer. C'est moi la personne, c'est moi, je sens ça depuis. Seigneur, étends ta main. Je te remets, Seigneur, ton peuple. Je te remets ton peuple de parole vivante. Nous avons pour vision de nous étendre, Seigneur. Le temps est venu de s'étendre. Au nom de Jésus, tu vois tout ce qu'il faut pour que ton œuvre aille de l'avant. Nous voulons que tu suscites les choses qu'il faut. Nous voulons que tu amènes les gens qu'il nous faut. Nous voulons que tu amènes tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que ton œuvre s'étende. Nous voulons étendre nos cordages. Nous ne voulons pas rester dans ces quatre murs. Nous sommes appelés pour aller de l'avant. Nous sommes appelés pour aller loin, Seigneur. Et nous sommes en train de lancer nos yeux vers le lointain. Seigneur, étends ta main. Agis pleinement. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons maintenant prier pour que les personnes malades soient restaurées. Que les personnes malades soient restaurées et que lorsque quelqu'un est touché vraiment par quelque part, là où tu es touché plutôt, que Dieu étende sa main. Nous allons prier pour que les malades soient restaurés. Là où tu es, à la maison, mets la main sur ta tête, on va prier pour toi. Et si c'est un enfant qui est malade, mets la main sur l'enfant. Si la personne ne peut pas bouger, va vers la personne et mets la main sur cette personne. Et prie avec moi. Au nom de Jésus, nous ordonnons que la guérison s'installe. Je m'adresse aux maladies de sang, aux maladies de la peau, aux maladies de la chair, aux maladies de l'âme, au nom de Jésus. Seigneur, que la guérison s'installe maintenant au nom de Jésus. Je parle aux maladies qui sont liées à la sorcellerie. J'ordonne que toute maladie liée à la sorcellerie lâche et disparaisse maintenant au nom de Jésus. Seigneur, le témoignage de la guérison, c'est maintenant. Le témoignage de la guérison, c'est maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vois la personne, Seigneur, qui ne marche pas. J'ordonne que tes pieds retrouvent leur automatisme. Au nom de Jésus, je m'adresse à l'oreille qui a du mal à entendre. J'ordonne que cette oreille s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, je parle à l'esprit qui a mis la main sur le corps de quelqu'un. Et à cause de ça, il y a quelque chose qui chauffe. À cause de ça, il y a quelque chose qui t'empêche de te mouvoir. J'enlève la main de cet esprit et j'ordonne que la santé s'opère dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur! Que la santé tombe dans la vie de mon frère. Que la santé tombe dans la vie de ma soeur. Nous allons maintenant prier pour présenter à Dieu le lycée des assemblées de Dieu au niveau de Port-Gentil. Nous allons prier pour que ce lycée qui doit voir le jour en septembre puisse voir le jour. Nous allons aussi prier pour que les fonds soient pourvus. Nous allons prier pour les gens qui veulent participer vraiment à cœur joie. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main, frère, c'est important. Cette œuvre est une œuvre importante. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, ce n'est pas l'année prochaine, mais c'est cette année. Tu vois les besoins, tu vois ce qu'il faut, que le miracle tombe, Seigneur. Nous voulons qu'en septembre, nous ayons des élèves dans cette école. Seigneur, suscite, donne les moyens, élevons la voix, élève la voix là où tu es. Merci Seigneur, merci Seigneur, étends ta main, merci, gloire à ton nom Père. Nous te remettons ce lycée, nous te remettons les personnes qui vont intervenir, nous te remettons l'intérêt des armées, les besoins du lycée, nous te remettons les manquements Seigneur, au nom de Jésus. Je m'adresse
a tout ce qu'il faut pour que le lycée voie le jour en septembre, au nom de Jésus. Seigneur, si c'est l'argent, j'ordonne à l'argent de venir. Si c'est un besoin humain, j'ordonne aux personnes de venir, au nom de Jésus. Seigneur, en septembre, ce lycée doit voir le jour. Nous ne voulons plus rester dans les simples paroles. On ne veut plus rester dans les stipulations. Nous ne voulons plus réfléchir longtemps pour dire non, non, Seigneur, nous voulons qu'en septembre, nos enfants aillent dans cette école. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour cette école qui voit le jour. Et merci au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour les serviteurs de Dieu. Nous allons recommander, vous savez, nous vivons une période difficile. Une période où les églises sont fermées à cause du Covid. Une période où certaines personnes ne savent même plus comment fonctionner parce que le Covid a créé beaucoup de dégâts dans les ministères. Le Covid a créé beaucoup de dégâts. Des églises ont fermé des portes parce qu'ils avaient des problèmes de loyer. Nous allons crier à Dieu pour dire, Seigneur, soutiens tes enfants, soutiens ton peuple, soutiens tes serviteurs. Seigneur, étends ta main, agis pleinement. Que cette pandémie s'arrête maintenant. Tout ce que le diable a créé pour que l'église soit touchée, nous venons paralyser, annuler cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Que ta gloire se manifeste dans la vie de tes serviteurs. Que ton soutien soit dans la vie de tes serviteurs. Au nom de Jésus, nous sommes des vaillants héros, Seigneur. Comme le peuple de Dieu a crié, tu es intervenu. Nous crions vers toi pour que tu interviennes dans leur vie. Nous crions vers toi, Père. Tu vois ceux qui ont été peut-être découragés. Nous voulons que tu remettes la force dans leur vie. Au nom de Jésus, que la foi soit ajoutée au nom de Jésus. Nous voulons une intervention miraculeuse de ta part. Nous voulons que ton peuple retrouve la force au nom de Jésus. Seigneur, interviens puissamment. Ton peuple a besoin de toi au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour présenter à Dieu ton projet. Il y a des projets qui ont du mal à voir le jour. Il y a des projets qui ont du mal à sortir. Vous savez, parfois vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous avez même l'argent. Mais le projet a du mal à démarrer. Nous allons ordonner à ce projet de démarrer. Si c'est un projet de mariage, il va démarrer. Si c'est une affaire qui est coincée, je ne sais pas par où, tu vas débloquer ça ce soir au nom de Jésus. Vous savez, nous avons la capacité de provoquer des changements. Et cette capacité-là, Dieu te l'a apportée en te disant, vaillant héros, parle à ton affaire, parle à cette situation et dis à cette situation ce que tu veux voir. Cela va se manifester. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, je m'adresse à la prière que mon frère, je m'adresse à toi. Tu as vu la prière que mon frère t'a adressée. Tu as vu ce projet que mon frère t'a présenté. Tu as vu ce projet que ma soeur t'a présenté. Je m'adresse à ce projet. Je donne des oreilles à ce projet. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu viennes à l'existence. Au nom de Jésus, Seigneur, si c'est une maison, Seigneur, si c'est un projet de maison de construction, je m'adresse à la maison. J'ordonne que tu pousses maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, si c'est un projet où le fer doit s'associer et il manque des moyens, j'ordonne que les moyens viennent et que les personnes subsistent. De faire en sorte que son œuvre avance, se rapproche de mon frère ou de ma soeur. Au nom de Jésus, Seigneur, je ne connais pas le projet en ce moment, mais je sais que ce projet tient à cœur à ton enfant et je parle à ce projet. Je te donne ta vie. Je veux que tu sors de son intelligence, que tu deviennes réalité. Au nom de Jésus, je te sors de sa tête, tu deviennes réalité. Au nom de Jésus, les choses qui ne voulaient pas que tu sortes, j'ordonne à ces choses de te lâcher. Au nom de Jésus, Seigneur, tu vois l'opposition qui se lève pour que le frère ou la soeur tourne en rond. Elle reste, le projet reste dans le cœur. Mais il a du mal à sortir. Seigneur, je chasse cette chose et je prends son projet, je la mets à l'existence. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main. Nous voulons voir les choses. Nous sommes à la saison où les choses doivent se faire voir. Nous sommes dans une saison où les gens doivent voir. Nous sommes dans une saison où nous devons impacter. Nous sommes dans une saison où quand l'enfant de Dieu parle, les gens voient. Quand ma soeur parle, les gens voient. Ça fait longtemps que les gens se sont moqués de ma soeur ou de mon frère par rapport à son projet. Nous voulons maintenant, Seigneur, que les choses changent. Au nom de Jésus, Seigneur, les quelques mois qui nous restent avant l'année prochaine, c'est largement suffisant pour qu'un miracle tombe. Au nom de Jésus, Seigneur, agis pleinement. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, interviens puissamment. Seigneur, au nom de Jésus, je donne vie au projet de mon frère. Je donne vie au projet de ma soeur. Et j'ordonne ce soir que ce projet vienne à l'existence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que c'est grâce à toi si nous avons passé ces quelques minutes ensemble.
Nous te remercions parce que nous avons l'assurance que tu as fait de nous les vaillants héros et que nos prières sont montées vers toi. Je te bénis parce que c'est ce soir, c'est pas demain, c'est ce soir, que la matérialisation de ce que nous avons demandé va commencer. Je te bénis parce que les témoignages se lèvent. Je te bénis parce que les gens diront, Dieu est rentré dans ma vie. Dieu est rentré dans ma chambre. Dieu est rentré dans ma maison. Après la prière, le Saint-Esprit m'a parlé et voilà ce qu'il a fait. Nous te bénissons parce que nous savons que nous sommes à l'heure du changement et à l'heure du miracle. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ces moments qu'on a passés en ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.